Dans un si grand soleil, Hakim et Noémie viennent de se rencontrer dans une atmosphère très tendue, alors qu'elle manifestait pacifiquement pour sauver la planète. Le jeune flic, de mauvais poil à cause de Lucille, a fait de l'excès de zèle et a placé l'ex de Ludo en garde à vue. Bien que cette première entrevue musclée se soit déroulée dans de mauvaises conditions, Hakim et Noémie ne vont pourtant pas tarder à se revoir. Et à tomber sous le charme de l'un et de l'autre. Dans les colonnes de Télépoche, Aïssam Medem, Hakim, et Lucille Crier, Noémie, font des révélations sur ce qui attend leur personnage. Le comédien explique tout d'abord pourquoi la relation entre Hakim et Lucille touche à sa fin, ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. Lucille se voit proposer un poste à Barcelone. Elle a une carrière à mener. Hakim a davantage envie de se poser avec elle, de construire quelque et pourquoi pas de faire un enfant. De son côté, l'actrice analyse la fin de la relation entre Noémie et Ludo, pour elle, l'histoire est finie. Je ne suis pas certaine que ce soit aussi clair dans l'esprit de Ludo. Tous deux le cœur libre, donc, les protagonistes vont se revoir, apprendre à s'apprécier et plus y affiniter. Mais dans quel contexte? La romance d'Hakim et Noémie, un meurtre et une enquête dans un si grand soleil et Aïssam Medem annonce, pour l'instant, Noémie et Hakim se découvrent. La seule chose qui m'importe, si est-il de jouer. Je suis donc curieux et impatient de découvrir ce que les auteurs préparent. Les seules informations dont je dispose, si est-il qu'il va y avoir un meurtre et une enquête à la ferme. Des perspectives intrigantes à découvrir dans un si grand soleil, chaque soir à 20h45 sur France 2.